La rondelle au ballon ovale, plus que quelques semaines avant le début de la saison des Alouettes de Montréal, qui tiennent actuellement leur camp d'entraînement à Saint-Jérôme, a dit d'ici le début de la saison, de nombreuses activités sont prévues là, en marge du camp d'entraînement. Oui, exactement, Sophie, parce que la saison va débuter officiellement le 6 juin prochain, donc dans moins de 4 semaines, et d'ici là se tiennent plusieurs activités, notamment les pratiques qui sont ouvertes à tous ici au Centre Pierre Beaulieu à Saint-Jérôme, donc tous les jours de la semaine. Enfants et parents peuvent se rendre sur les lieux. Ce soir, Sophie, je prends part à une soirée d'affaires à laquelle participent d'anciens joueurs, mais aussi l'homme d'affaires Pierre-Carl Péladeau, qui est le propriétaire de l'équipe et le maire de Saint-Jérôme. Il y a aussi un encan qui signe ici ce soir. Il y a plusieurs objets à l'effigie de l'équipe qui font partie de la mise, notamment un chandail du joueur Marc-Antoine Decoy qui est autographié. Je vais entendre quelques réactions de personnes à qui j'ai parlé ce soir. Le fait de se retrouver tous ensemble, après s'être quitté sur d'aussi beaux moments, bien, il y a comme une... En tout cas, moi, c'est mon sentiment, là. C'est la fraternité qui est revenue. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait un petit peu plus de pression, mais il y a des équipes qui réagissent très bien à cette pression-là. Il y en a qui la veulent, cette pression-là. Il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué à conjuguer avec ça. Ce qui me frappe, c'est leur implication dans la communauté, la proximité des joueurs. Et puis, écoutez, aujourd'hui, il y avait des enfants qui... il y a 2 jours plutôt, il y avait des enfants qui étaient au terrain. Ils encourageaient les Alouettes dans une pratique, les joueurs, spontanément, pour voir les jeunes. Alors, quel beau message pour le sport et les saines habitudes de vie. Et Sophie, en fin de semaine, samedi, un match intra-équipe ici à Saint-Jérôme. Et tout juste avant, dès 14h30 à 14h30, aura lieu un tailgate. Alors, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Eddie.